Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Moi c'est Najwa et donc je fais principalement du contenu lifestyle, maison et mode. Et donc ce week-end-ci, c'est le week-end de mon déménagement. Donc si vous êtes déjà abonné et que vous me suivez déjà, vous savez que j'ai acheté une maison. Et donc acheter une maison veut dire un déménagement tout simplement. On déménage d'un appartement à une maison. Mais en fait j'ai toujours cru que j'avais pas beaucoup d'affaires, mais maintenant que je mets tout en carton, ben c'est autre chose. C'est une pagaille pas possible. Donc aujourd'hui et demain, on va être hyper occupés. On va déménager toutes les affaires là-bas. Donc le lift arrive demain à midi. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais emballer les choses sensibles, on va dire, et les emmener moi-même à la maison. Et puis pour le reste, donc le lift arrive demain à midi, donc ce sera pour les grosses choses comme le canapé, les lits, etc. Le frigo surtout, je pense au frigo. Et puis dimanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici à l'appartement. On ne veut pas donner les clés juste comme ça. On va faire en sorte que l'appartement soit quand même un peu propre. S'il y a des choses à réparer, on va le faire dimanche, etc. Donc je vais commencer tout de suite. Avant ça, je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai déjà fait et vous montrer un peu où j'en suis. Mais si je pense directement à la première chose que je vais faire maintenant, là maintenant il est 8h30. Les enfants, on les a déposés à l'école. Donc maintenant, la première chose que je vais faire, je crois que c'est faire une machine parce que j'ai du linge et je veux que au maximum le linge que je prends avec à la maison soit propre. Comme ça, c'est prêt à remettre dans les armoires. Donc, avant de commencer, on va faire place au générique. C'est parti! Voilà, là, donc la première chose est faite, je vais faire une machine. Aujourd'hui pour le reste il fait hyper mauvais, il fait froid, il y a du vent, il y a de la pluie, il pleut toute la journée. Donc j'ai un peu froid et comme vous le savez je me sens hyper fatiguée depuis quelques temps. Franchement ces travaux ils sont en train de m'épuiser. On essaye de faire un maximum nous-mêmes pour limiter la casse et le dépassement de budget. Mais donc voilà, donc je vais mettre un gilet et puis on va commencer tout de suite. Alors, à partir d'aujourd'hui, on est vendredi, je ne dors plus ici à l'appartement parce que voilà, aujourd'hui ce sera la journée où on va tout démonter, donc on va démonter les lits. Les placards, je ne les ai plus, il a disparu car ils ont été vendus. Donc en fait, j'ai les deux lits des filles à démonter et j'ai le mien. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever les draps. Je vais les laver pour pouvoir les sécher après. Quand je vais les emballer, ils sont propres. Et la couette, je vais en fait la mettre dans un plastique qui s'aspire pour gagner de l'espace. Donc on va commencer par ça et puis on va continuer à s'occuper de ma chambre pour ensuite passer à la chambre des enfants et terminer d'emballer les jouets. Bon, juste montrer un peu, je vais juste vous montrer un peu où j'en suis arrivée. Donc dans les vêtements, j'ai tout mis dans les sacs que je vous ai montrés de chez Compactor que j'ai acheté sur Vipi. Donc ils sont complètement remplis, j'en ai juste quelques-uns que je peux encore remplir. Donc c'est ce que je vais faire au fur et à mesure en faisant le linge.
Et puis la valise de mon mari est prête. Je comprends pas. Je sais pas. Faut pas me demander. Moi-même, je ne comprends pas. Il part pour 2 semaines, hein. Maximum 3. C'est ce qu'il a pris. Bon, moi, j'ai ça avec les filles. Donc j'ai ça, c'est mes affaires à moi. Et ce côté-ci, c'est les affaires des enfants. Et puis donc maintenant, j'ai mis au milieu tout ce que je vais mettre dans le sac à aspirer. Et puis pour le reste, je vais venir emballer le matelas pour le protéger. Et je vais pour finir juste lui repasser ceci pour que ça soit prêt à repasser, en fait pour que ça soit prêt à mettre dans sa valise. Je sais pas si j'aurai le temps de repasser, etc. Mais si c'est déjà repassé, c'est encore mieux. Comme ça, les jours où il fait un peu plus chaud, il peut mettre un short. Et puis ça ici, ça a été complètement vidé. J'ai déjà ramené toutes les affaires là-bas. Je les avais nettoyées. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai peint les armoires, je les ai nettoyées, les armoires encastrées. Et j'ai déjà mis mes affaires à l'intérieur et je les ai fermées. Voilà, pour que ça soit bien propre et que ça reste propre. Ceci, ça doit normalement aller au pressing. C'est des robes de soirée que je dormais au pressing. De toute façon, tout ce qu'il y a ici, c'est des robes de soirée, hein. Je peux vous montrer par exemple quelques-unes. Donc ça vient de chez Amiral Upset. Hop, celle-ci, c'est ma préférée. C'est un nude, un rose nude. Donc voilà, mais celle-ci, c'était à laver. Et donc le sachet noir, le paquet noir, c'est le costume de mon mari. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller au pressing. Donc pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Peut-être que ça va aller directement dans l'armoire. Et je sais pas. Je sais pas si c'est bien à faire ou pas. Mais dans tous les cas, j'ai pas le temps d'aller au pressing. Voilà, je ne sais pas si ça change quelque chose au tissu ou je sais pas. De toute façon, ça va rester comme ça et ça va aller directement dans l'armoire. Donc voilà. Galère pour fermer ça. Voilà donc ce que ça donne. J'ai mis mes couettes, j'ai mis les gros draps, etc. Et j'ai mis les couettes de mes filles. Donc en fait, à l'intérieur, il y a 4 couettes et les coussins de mes filles. Donc maintenant, ce que je vais prendre, c'est l'aspirateur pour pouvoir l'aspirer. Voilà, c'est fait, c'est devenu tout petit. Enfin, tout petit, pas exagéré non plus. Tout mince. Ok, maintenant je peux avancer et voilà. En fait, le déménagement, ça ramène des nouveaux amis avec. Ils sortent tous. Ok, donc je viens de vider l'armoire complètement. Ça, c'est pas trop belle. Hop, les armoires sont vides. Parfait. Il faudra juste les scotcher pour éviter les problèmes. Les poignées ici, il y en a beaucoup qui me les demandent. En fait, ça vient de chez Zara. Et donc pour les armoires encastrées, j'ai à peu près acheté les mêmes. C'est du marbre à l'intérieur. Et franchement, ça se vend à 10 € pour 2 pièces. Et honnêtement, c'est les meilleures poignées que j'ai jamais utilisées. Ceux-là, ils viennent de Maison du Monde. Mais Maison du Monde, honnêtement, c'est hyper fragile. Alors que Zara, ils sont robustes. Ils sont franchement... pour le prix, c'est vraiment des très belles poignées. Donc voilà la chambre finalement. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement tout aspirer pour que ça soit un peu plus propre, je sais pas, un peu plus agréable déjà. Et puis après, j'ai enlevé ce qu'il y avait là-bas, je les ai mis ici. Et après, on va tout simplement enlever le miroir, je vais le mettre là-bas dans le salon pour l'emballer. Et ensuite, je vais... passer à la chambre des enfants. Ok, j'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait trop sombre dehors. Il est en train de pleuvoir. Les matelas, je les ai protégés comme ça, tout simplement avec des draps.
Et puis les draps, ben, c'est pas la fin du monde, ou bien je les jetterai, ou bien je les laverai. Mais je ne vois pas comment je vais faire autrement. Pour mon matelas aussi, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais utiliser peut-être, je sais pas, je vais voir après. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enlever les rideaux, ils sont rose fuchsia. Moi, comme je vous ai dit, dans la maison, j'utilise un maximum des couleurs neutres. Donc il n'y a pas de rose fuchsia, il n'y a pas de couleur agressive en fait. Et les filles, elles pourront un peu donner de couleur à leur chambre avec des cadres tout simplement et avec la décoration. Mais tout ce qui est rideaux, etc., je veux un maximum de couleurs neutres. Comme les chambres sont petites, je préfère. Donc je vais les enlever et je vais les donner à ma meilleure amie avec les tableaux qui étaient là. Elle les veut aussi. Je viens d'enlever les rideaux, c'est bon. Maintenant, je vais m'attaquer à tout ça. Et je vais essayer de mettre tout ça ici. Et puis voilà. Ok, j'ai fini. Alors comment je me suis organisée? Dans ce sac là en fait j'ai mis tout ce qui est jouets que je ne peux pas laisser dans les bacs. Donc là ça sera mieux protégé. Et puis les grands jouets comme ceci, donc le château, la voiture, etc. Je vais tout simplement laisser comme ça, la cuisine aussi. Je vais les déposer là-bas dans la véranda. Et puis ici dans les bacs, j'ai mis un bac avec tout ce qui était bonhomme et Barbie et un bac avec tous les matériels de cuisine. Maintenant il faut juste que je trouve un moyen de fermer le bac pour que voilà, au déménagement ça ne tombe pas ni quoi que ce soit. Et puis les affaires que je vais donner à ma meilleure amie sont juste là. Ça c'est les jouets, voilà, elles sont beaucoup trop grandes pour jouer avec ça, c'est plutôt pour un bébé et elle vient d'avoir un bébé. Donc maintenant tout ce qui me reste à faire c'est de bien aspirer et de m'occuper de la poubelle à linge. Bon, voilà l'état du salon pour l'instant. Donc j'ai enlevé tout le tissu. Je dois encore faire tout ça. Plus la cuisine. Je suis au bout de ma life. J'en peux plus. Bon là, le premier aller, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a ici. Et puis je reviens et ça sera vite. Tadam, c'est parti. Si seulement c'était le cas aussi vite en 2 secondes. Non, j'ai fait un aller-retour vers la maison pour déposer en fait. C'était principalement les affaires de cuisine.
Donc ça a disparu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer le plus urgent à la cuisine. Je vais continuer de vider la cuisine. Et c'est les bacs que j'utilise, en fait. Donc voilà. Bon, ça va. Là, maintenant, il est 1h, presque 2h. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vais faire encore un retour vers la maison là-bas. Mais au moins, j'aurai terminé toute la cuisine. Donc, il restera juste les cartons à complètement fermer. Bon, voilà les affaires de la cuisine. On a pris les cartons là-bas pour mettre les machines dans les cartons. Bon, troisième aller-retour fini. Et là, il est 18h. Il est 18h. Il me reste dans la cuisine l'armoire au milieu. Il me reste ceci. Et il me reste ça. Et là-bas aussi. Donc voilà, on va continuer, je vais ranger un peu et mieux organiser les choses parce que mon mari arrive de nouveau avec son frère pour faire un aller-retour de nouveau. Donc j'ai déjà préparé ses affaires ici et ils sont en train de... Ils vont arriver avec des boîtes et je vais terminer la cuisine. Donc déjà tout ça ici, normalement ça devrait être fini. Et puis le soir et la nuit, donc vers 20h, on va commencer à... démonter les meubles. Entre temps, je lave les vêtements et je vais les faire sécher aussi après. Donc j'ai accumulé ces deux là, il faut encore que je les plie et que je les mette dans la valise. Et donc après il faudra démonter le lit et puis les deux lits qui sont là. C'est ce qu'on va faire après. Bonjour tout le monde, alors maintenant on est le lendemain, il est là 9h10, on est réveillé depuis 7h. Franchement hier on a dormi hyper tard donc je n'ai pas continué à vlogger, de toute façon j'avais plus de batterie. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait jusqu'ici et moi en fait je vais déjeuner et je vais partir de l'autre côté, je ne vais pas rester ici, ça ne sert à rien d'être dans le chemin. De toute façon j'ai encore ce soir et demain aussi la journée. Voilà pour revenir ici et voir ce qui reste et ce qu'il y a à faire, etc. Parce que j'ai pas envie de rendre l'appartement comme ça, j'ai envie que ce soit à peu près propre pour les nouveaux propriétaires. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait cette nuit et puis je vais déjeuner et puis on va aller à la maison de l'autre côté et c'est là-bas qu'en fait je vais réceptionner les paquets. Et je vais organiser la véranda parce que tout va aller dans la véranda. La maison n'est pas encore prête. Je vais encore aller pendant au moins... je crois que ce sera 1 ou 2 semaines chez ma mère. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc voilà l'état du salon. Je vais me mettre un peu en arrière. Voilà l'état du salon. On a essayé de mettre au maximum les choses ici au salon. En fait, tous les petits
paquets ici. Maintenant, quand je vais aller vers la maison, je vais les prendre avec. Je vais essayer de caser tout ça dans la voiture pour que uniquement les grands paquets restent. Et puis, ça, c'est ici le fauteuil que j'ai mis dans les plastiques, tout ce qui est tissu, etc. Et puis, la cuisine, elle est complètement vide maintenant. On a mis du cellophane autour du frigo et on a scotché les portes. Je vais me faire un petit café après. Et puis, la machine, on l'a enlevée et on a enlevé l'eau aussi. Juste pour qu'elle soit prête à être mise dans la camionnette. Ça, c'est la chambre des filles. Il y a les lits qui ont été démontés. Hop. Et puis, ça, c'est ma chambre ici. On a mis du cellophane aussi autour du matelas pour le protéger parce qu'il est encore neuf. Il n'a même pas 6 mois. Et puis, voilà. Voilà donc... le topo de ce matin. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner et puis je vais aller chercher la voiture et puis je vais y aller. À tantôt. Alors j'ai nettoyé la véranda et préparer le terrain pour qu'ils puissent mettre toutes les affaires et on attend plus que le camion et voilà l'après. On a galéré mais tout y est, tout est à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu de l'autre côté ce que ça donne. Tout est dans la véranda, vous aussi. Il reste juste la machine à laver qu'on doit encore ramener. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Au revoir.